5, 4, 3. Salut les terriens, salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 4 terriens de choix et un robot, Jean-Mi. Bonsoir les humains. Et avec Jean-Mi ce soir, Chantal Latsou. Chantal Latsou, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de recevoir ce soir la reine du boulevard. C'est gentil. Qui triomphe actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin. Oui. Ceci dit, Chantal Latsou, c'était pas un mauvais nom non plus pour une star du porno, non? Ben oui, c'est vrai, j'aurais peut-être dû. Ben oui. J'avais commencé comme ça d'ailleurs. Ben ouais. Mais je vous en parlerai plus tard. Jeannette Bougrave, mesdames, messieurs. Jeannette Bougrave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce soir notre TTO de la semaine. Depuis votre disparition du grand journal, plus de nouvelles. Au fait, vous êtes jamais dit que plutôt que de parler politique, vous auriez dû parler strings et sextoy comme Roselyne Bachelot sur D8. Non. Je crois que je suis pas encore prête. Mais peut-être dans quelques années, peut-être. Inch'Allah. Et Yael, bonsoir. Alors, vous êtes ce soir notre Téquitois de la semaine. Enfin... Téquitois en France, parce qu'à part ça, ça marche dans le monde entier. Vous êtes, Yael, ce que la Bretagne a fait de mieux. Oh, bah merci, c'est très depuis gentil. Depuis l'alcoolisme et la pollution des nappes phréatiques. J'étais sûre que ça cachait quelque chose. Mon invité d'honneur ce soir aime les colliers, les éventails, les cheveux poudrés, le luxe, l'élégance, le raffinement. Non, ce n'est pas Marie-Antoinette, c'est Karl Lagerfeld. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien de 20h ce soir, Maud Julien, qui raconte comment elle a été élevée par son père pour devenir un être supérieur. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le robot s'appelle Jean-Mi. Ouch. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Mi? Si tout le monde pouvait couper son portable, j'ai des ongles qui me bloquent la main droite. Ah, merci bien. Bon, on va couper le portable. Et le groupe, les Gréements de Fortune. Karl Lagerfeld, rebonsoir. Rebonsoir. Merci de venir nous voir, Karl, en pleine Fashion Week. C'est marrant, la Fashion Week. Hein. Il y a des top modèles plein les rues et puis un gramme de coke à Paris. Hein. Alors, Karl, toujours la forme, le look? On n'a pas le choix. Tant que ce n'est pas au pluriel, tout va bien. Hein. Ouais, vous êtes impeccable. Hein. C'est pas épuisant d'être Lagerfeld tous les jours, quand même? Ouais, non. Non, ça me vient naturellement. Je sais pas, il n'y a pas des matins, on a envie de, je sais pas, de se mettre un grand t-shirt, un short, les cheveux lâchés, manger des saucisses frites en regardant une merde à la télé, non? Non, écoutez, Thierry, laissez aller, c'est pas dans ma nature. Hein. Oui. Alors, vous avez déclaré, le matin, quand je me réveille, je ressemble à Beethoven. Oui, parce que mes cheveux, qui ne sont pas attachés, monte sur les côtés. Et je ah, j'ai peur que ce soit le chien. Alors, Karl, vous faites des tas de trucs. Faites ce que vous voulez, en fait. Vous avez une grande liberté, vous avez une liberté totale, non? Oui, sinon, je m'arrêterai. Alors, on commence avec le défilé Chanel. C'était mardi dernier. Donc après le Grand Palais transformé en supermarché l'an dernier, cette année les mannequins défilaient dans la rue, donc boulevard Chanel. On a construit un boulevard entier de 130 mètres de long. C'est incroyable. Oui. Karl, vous méritez bien qu'un journal vous soit entièrement consacré, c'est le Karl Daily. Oui, si je le fais moi-même. Hein. Oui, ah oui. D'autres font ouais. Instagram, et ben moi je fais ça. Alors, évidemment, il y a une interview de vous, il y a un portrait de votre garde du corps. Oui.
Il y a un article écrit par votre chat, Choupette. Oui, mais elle est très sollicitée, beaucoup oui. plus que moi même. Oui, c'est un article sur le Shop in Shop au Galerie oui. Lafayette, très oui. bien écrit d'ailleurs par Choupette, il faut reconnaître. Oui, elle est douée. Mais vous savez que Choupette a envoyé un cadeau pour l'anniversaire à Brigitte Bardot. Oui. Avec une lettre, et elle a reçu une lettre adorable de Brigitte Bardot en réponse, deux jours après. C'est quand même étonnant. Hein. Et alors, Choupette fait aussi le courrier des lecteurs. Hein. Oui, oui, mais elle fait tout. C'est pas Carl Daly, c'est Choupette Daly. Exactement. En fait. D'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir chez Flammarion, entièrement consacré à votre chat Choupette. Ça s'appelle Choupette, la vie enchantée d'un chat fashion. Alors, elle a adoré le livre. Quand elle a vu ça, elle a fait miaou, miaou. Ça, c'est le chat de Gouttière. Elle fait pas ça. Elle fait pas ça. Alors, elle parle pas comme ça. La parole n'est pas son langage, vous savez. Oui. Elle, ça passe par les yeux. Ah. Mais ses yeux admirables de saphir étoilé, oui. un regard, et tout le monde a compris. Alors, on apprend dans ce bouquin que 5 personnes sont au service de Choupette. Il y a un garde du corps, 2 gouvernantes, 1 médecin, oui, oui, un chef cuisinier. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle préfère comme plat? Des croquettes en sauce et un pâté particulier, et puis des croquettes sèches pour le poil, et des croquettes américaines qui s'appellent Young Female. Oui. Donc, ah oui, elle choisit, mais elle mange très peu, et elle ne change pas de poids. Elle pèse tous les mois 3,5 kg. C'est moins lourd qu'un mannequin, ça doit vous plaire, ça. Alors, Choupette, bon, elle voyage en jet, c'est normal avec vous. Elle a des bagages Vuitton. Les Vuitton lui font des choses sur mesure. Ah, bah oui. Alors, vous avez quand même toujours trouvé ridicule, vous, les gens qui étaient gaga de leur chat comme ça, non? Sauf que moi, j'en ai pas plusieurs parce que je suis très monogame dans ce domaine. Et Choupette déteste les autres chats et les ah, autres oui. animaux. Ah, quand oui. ils vont chez le vétérinaire, elle est entièrement sur sa réserve quand elle voit d'autres animaux. Elle déteste. Moi, je vais jamais avec elle parce que les personnes qui l'amènent, elle leur fait la gueule pendant 3 jours. Faites un beau couple tous les deux, hein? Oui, c'est ce que non, je Non, c'est vrai. Aussi, hein. Hein. Moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'on a la même couleur de cheveux. Oui. Est-ce que Choupette va hériter de l'Empire Lagerfeld? Elle a une fortune personnelle que s'il m'arrive quelque chose, la personne qui s'occupera de Choupette aura beaucoup d'argent pour s'en occuper. Si vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper de Choupette, je suis là, car oui, 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 j'adore mais les chats. Est-ce que votre femme aime les chats? Elle adore les chats, ah bon. Surtout le vôtre. alors ça, Carl, c'est votre façon d'avoir un chat à vous, et puis il y a la façon de Norman aussi. J'ai acheté une laisse pour les chats. Mais je comprends pas pourquoi ça existe ce genre de truc, vu qu'ils refusent absolument de se faire promener. On dirait qu'en fait je promène son cadavre. Moi mon chat, il y a un truc qu'il apprécie vraiment faire. C'est miauler près de 4 millions de fois par jour, pour aucune raison. Par contre, au moment où je dois partir, que je suis bien en speed, et que je l'appelle pour vérifier s'il est là, il a vraiment l'intelligence de ne plus miauler du tout. Ce gros con! Sergi? 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 Je rigole plus là! Mais les chats, ils ont une façon de penser qu'on peut pas comprendre. Par exemple, je vais acheter un jouet pour chat d'une valeur inestimable, parfaitement sophistiqué. Il y joue près de 0 seconde. Par contre, il a trouvé ce bout de plastique, issu d'un paquet de gâteaux, et ça pour lui, c'est vraiment la plus grosse éclate du monde. Tu vois, c'est vraiment très très drôle. Voilà, normal, avoir un chat. On ne peut rien leur imposer. On ne peut rien leur imposer au chat. Oui. Je trouve ça bien. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Et puis, elle déteste tout ce qui est collier et tout, parce qu'elle reçoit des cadeaux. Somptueux. Oui. Elle a reçu même un collier de diamants. Non. Mais elle n'en veut pas. Elle le jette. Et elle n'aime que des choses horribles comme là. Il y avait des bouts, des tissus bleus remplis de je ne sais pas quel sable. C'est ça qu'elle elle a. Chez moi, je me casse la gueule tellement les gens offrent du jouet, il y en a partout par terre. Elle ne les regarde jamais. Vous êtes intarissable sur le chat. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Je vous adore. J'ai jamais pensé ça. Je vous adore. Alors, la vraie question, c'est est-ce que le chat joue avec la Barbie Lagerfeld? Non, elle l'a même pas regardé. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. C'est presque aussi ridicule que flatteur qu'on fasse une poupée inspirée de mon look. Je trouve ça insensé. Mais heureusement, ce n'est pas Ken, parce qu'il a l'air d'un petit con, celui-là. bon. Alors, Carl, donc vous avez Choupette. Moi, j'ai Jean-Mi, mon petit robot. Et d'ailleurs, il aimerait vous poser une question, Jean-Mi. «
Jean-Mi, pose ta question à Karl Lagerfeld. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette choupette? Eh bien, je vais te dire, d'abord, le bleu de ses yeux est un peu plus joli que tes yeux lumineux. Et puis, elle a des poils sublimes. Donc, il ne faut pas comparer. Chacun son genre de beauté. Chacun son genre de beauté. Never compare, never compete. Hein? Hop. Ouais, ouais. Voilà, c'était la période de SLT. On se retrouve après la pub. A tout de suite. Rebonsoir les terriens. Rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Chantal Latsou, de Jeannette Bougrave, de Yael, de Karl Lagerfeld et de Jean-Mi. Alors Chantal Latsou, rebonsoir. Bonsoir. Je vous ai présenté comme la reine du boulevard, c'est ouais, vrai. C'est bien, c'est bien. Vous êtes aussi la doyenne des humoristes. Oui, ça va. D'ailleurs, on a pu vous voir dernièrement à la télévision dans l'émission de Stéphane Bern, le monument préféré des Français. Oui. C'est vous qui avez gagné ? Non, malheureusement. C'est dommage. Et maintenant, biographie. Au nord, c'était les camps. La terre, c'était le charbon. Vous êtes né à Roubaix ? Ben, je suis né à Roubaix. Vous avez grandi à Tourcoing. Oui. Alors, votre grand-père voulait que vous chantiez, votre père voulait que vous repreniez son entreprise de bâtiments, et votre mère vous emmenait voir des pièces de théâtre à Paris. Voilà, donc il y avait déjà un traumatisme à la base. Quand même. Ouais. C'est compliqué, hein. Oui, c'était compliqué. Ouais. Et j'ai suivi, en fait, ma mère, finalement. Ouais. Elle était passionnée de théâtre, elle nous emmenait tout le temps au théâtre, et j'ai réalisé mon rêve, c'est génial. Alors, à la mort de votre mère, vous avez 15 ans, votre père n'arrive plus à vivre dans la maison familiale, il se réfugie dans son usine. Hein. Mmh. Il vous confie à votre grand-mère maternelle, à Paris. Là, vous allez à l'Institut de la Madeleine. Vous savez tout, Ardisson, vous farfouillez. C'est un truc de bonne sœur ou quoi? Oui, c'était un truc de bonne sœur, mais heureusement, il y avait une femme, une maîtresse d'internat qui était passionnée de théâtre et qui nous emmenait à l'époque tous les mercredis soirs au théâtre. Ensuite, faites le cours Simon. Oui. Et Simon vous a dit, c'est incroyable quand même, cette préscience, il vous a dit, toi, tu réussiras tard. Et toi, tu réussiras très tard, pour le camp. Et donc, je suis parti. Ouais. Et en fait, c'est vrai, il avait raison. Parce que j'avais tout de suite des rôles d'autorité. J'ai jamais été une jeune première avec des dentelles, etc. Donc, j'avais tout de suite des mégères, des vieilles filles. Et il disait, voilà, c'est comme ça. Il y a un truc incroyable, c'est que quand vous arrivez à Paris, en fait, vous appelez Jacqueline Maillan, Jean Poiret, Pierre Mondy à 8h du matin. Oui. Évidemment, vous faites jeter. J'ai réveillé tout le métier, oui. Parce que mon père me disait, quand on veut travailler, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai. Donc il faut appeler les gens très tôt. Faut être là. Bah, évidemment, quand on appelle les comédiens très tôt, c'est difficile. Ouais, choc des cultures. Ouais. Alors, à l'époque, vous rencontrez Michel. Michel, mon mari, toujours, depuis 40 ans. Oui, 1975. Donc l'année prochaine, vous fêtez les 40 ans de mariage. C'est absolument énorme. Et Michel va devenir votre manager et surtout le premier sujet de vos spectacles, puisque votre spectacle porte sur la retraite. Sur l'homme qui rentre à la maison, ce jeune homme qu'on a connu il y a quelques années, quand il est en retraite, c'est pas du tout le même. Pas du tout, du tout. Il y a beaucoup de divorces au moment de la retraite. Vous épousez Brad Pitt, autant avec Marguerite Duras, ça. C'est quand même pas évident. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous êtes mise nue devant lui et qu'il a éclaté de rire, que vous avez pris conscience de votre pouvoir comique? Non, parce que figure-toi, Ardisson, je suis quand même pas mal toute nue. Ah. Et là, il n'a pas rigolé du tout. Alors, vous avez eu 3 enfants. Dantin a épousé une ex-Miss Météo de Canal. Oui. Pauline Lefebvre. Oui. Ça va, il en est content? Il en est très content. Elle marche bien. Au moins, il sait le temps qu'il va faire le lendemain. C'est quand même le grand intérêt. Vous avez réussi tard, mais finalement, c'est pas mal. Parce que ça vous a évité de quitter votre mari, de prendre de la drogue et d'aller passer des vacances à Saint-Tropez. Exactement. Voilà. C'est un, voilà. Hein? Ouais. Il y a toujours un avantage. Alors, la pièce s'appelle Nelson. C'est au Théâtre de la Porte-Saint-Martin. C'est l'histoire, finalement, d'une riche avocate sans scrupules qui a une fille qui veut partir dans une mission humanitaire et elle organise un dîner
avec les dirigeants de l'association. Voilà, des bobos qui sont végétaliens et qui protègent les petits animaux. Donc elle me fait adopter, alors que moi je suis une avocate très cynique, très bling-bling, ouais. Elle me fait adopter un petit lapin. Sourd, muet et aveugle. Et alors ce lapin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'appelle Nelson à cause de Nelson Mandela. Voilà. Parce que vous l'avez adopté le jour de la mort de l'illustre sud-africain. C'était un hommage en fait. Et quand mon mari ne peut plus me faire d'enfant, j'ai adopté le lapin et je l'appelais Nelson. Alors, quand ces gens qui sont végétaliens arrivent chez vous, c'est un peu comme dans la cage aux folles. C'est-à-dire que vous faites On fait tout pour paraître végétalien. Ouais, mais c'est pas du tout notre style. Donc le dîner va finir en live. On regarde à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous voulez boire? Oh, je veux bien une petite jus de concombre, moi, alors. C'est la fête. Et vous, monsieur Fischer? Allez, la même chose. C'est magnifique. Comme ça, je sais pas comment ça va se terminer. Et toi, papa? Bah moi, je prends un viandox. Voilà, ça s'appelle Nelson. C'est au théâtre de la Porte Saint-Martin avec Chantal là-dessous, mon ami Éric Logérias et votre fille. Ma fille qui joue ma fille, oui. Ouais. Je suis très curieux de jouer avec sa fille, mais on a une scène extrêmement vérité parce qu'elle me reproche d'être toujours devant, de faire beaucoup de bruit, etc. Et c'est très touchant à chaque fois. C'est pas loin de la réalité en même voilà, temps. Voilà, en plus, oui. Bien sûr. Il assure le lapin. Oui. Est-ce qu'il a la plus grande loge de la troupe? Il a un hôtel particulier dans le théâtre. Il a une cage à trois étages. C'est comme le chat de Karl. Oui. Ah oui, oui. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire du lapin quand la pièce ne sera plus jouée? Voilà. Je vais l'adopter avec mon mari. Ah, oh, d'accord. D'accord. C'est vrai? Vous avez pas envie de manger? Non, il ne mangera pas. Pourtant, il commence à devenir un peu gros. Je ne mange pas un bon lapin moutarde. Et puis, à Drucker, alors, vous êtes chez Michel Drucker? De temps en temps. Ça va, le public a passé l'été, il n'a pas fait trop chaud. Non, ça va, ils sont encore là, ils respirent encore. Ouais. Avec les invités, ça va, non? Il paraît que vous avez eu un choc récemment, que vous avez eu la tête de Sheila, c'est vrai, non? Et bien alors, vous faites partie des grosses têtes avec Laurent Ruquier. Ah oui, ça, je m'amuse bien. C'est un plaisir. Quand hein. vous êtes venu, on s'est je bien amusé. Je l'ai fait une fois, c'est génial, vraiment. Ah oui, il faut revenir. Et maintenant, on passe à notre TTO de la semaine. Alors, Jeannette Bougrabre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne secrétaire d'État à la jeunesse de Nicolas Sarkozy, ex-chroniqueuse du Grand Journal, dont vous avez disparu. Et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Bah alors, t'étais où, Jeannette? J'étais au Pakistan, j'étais au Yémen, j'étais au Kenya, au Guatemala, au Cambodge, pour faire un documentaire pour toutes les petites filles qui sont encore aujourd'hui interdites d'école, celles qu'on assassine parce qu'elles vont à l'école, celles à qui on jette de l'acide parce qu'elles vont à l'école, voilà. Bah, vous n'avez pas perdu votre temps, finalement. Non. Alors, c'est vrai qu'après votre passage au gouvernement, vous avez été la recrue star du Grand Journal en septembre 2013. Vous étiez là pour poser des questions aux politiques. Oui. Et en fait, la seule question que vous posiez, c'est qu'est-ce que je fous là, quoi? Disons que c'est pas mon truc, voilà. Vous avez découvert que la télé, c'est finalement plus facile de répondre aux questions que de les poser, non? C'est une machine très différente de ce que je pouvais penser. J'étais absolument pas faite pour ça. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Qui, donc, par exemple? J'ai rencontré Doria et son auteur, Bertrand. Elle est géniale, Doria. Et j'ai trouvé assez extraordinaire parce qu'en fait, derrière une émission, il y a plein de petits jeunes qui écrivent des vannes, qui font des choses assez exceptionnelles et qu'on voit jamais, voilà. Vous aimez bien les petits jeunes? Non, pas du tout. Mais pas du tout, parce que Bertrand a 50 ans. Alors, il y a eu un grand moment de télévision avec vous, Jeannette. C'est quand vous avez demandé à Arnaud Montebourg s'il était toujours sur le marché. On regarde. C'est ça. Arnaud Montebourg. Alors, vous savez qu'il y a eu un sondage il y a quelques semaines. 18% des femmes interrogées rêvent que vous soyez leur amour d'été, leurs vacances, leur fantasme d'été. Alors, les yeux dans les yeux, Arnaud Montebourg. Êtes-vous toujours sur le marché? Joker. Non, vous ne pouvez pas. Ah bah, excusez-moi, mais je ne réponds pas à ce genre de questions. Bon. Merci beaucoup. Merci. C'était bien d'avoir tenté. Merci, Jeannette. Alors, quel est le petit jeune qui vous avait écrit cette question? C'était le directeur de rédac. Ah ouais.
Elle est bien. Elle tombait un peu à plat. Ça aurait été Aurélie Filippetti, il aurait répondu. Hein. Non, je pense que c'est parce que c'était une femme qui lui posait. Ouais. Moi, on me l'a posée, j'ai jamais trouvé indécent de répondre à cela. Ben attendez, je vais vous la poser ah, alors. Ben, c'est gentil. Jeannette, est-ce que vous êtes toujours sur le marché? Oui, hélas, mais j'espérais alors, ben, attendez, ce soir. Attendez. Inch'Allah, hein, Inch'Allah, s'il veut, comme on va dire. Je crois que mon petit robot qui vous a chanté cette petite comptine a envie de vous poser une question. Oui. La question de Jean-Mi. Vas-y, mon petit Jean-Mi. Dis, Jeannette, et si on se mariait tous les deux? Oui. Super, je repars donc avec toi. C'est plus facile. Et voilà, Jeannette Beaugrave a enfin trouvé chaussures à son pied. Parfait, merci Jean-Mi. Oh oui. Heureusement, vous avez adopté une magnifique petite laotienne. Une petite mec qui a 3 ans et, voilà. Et je suis raide dingue de ma fille. Mais dites-moi, comment elle fait pour manger du couscous avec des baguettes? Elle le mange avec les mains, l'algérienne. Ah, elle le mange avec les mains, d'accord. Et alors, au grand journal, ils vous ont pas rappelé pour la météo, même pas? Non, je suis pas assez jolie, en fait, il faut être grande. Si, pourquoi? Non. J'ai 15 kilos en trop. Bon, j'ai 41 ans. Arrêtez. Oh, c'est gentil, Carl. Carl. Moi, je trouve pas, je vois de quoi elle parle. Non. Voilà, oui. Non, c'est bizarre. Elle doit des miroirs déformants chez elle. Oui. Et voilà. Vous êtes rassurés. En tout cas, c'est bien classé. Alors aujourd'hui, vous êtes maître des requêtes au Conseil d'État. Alors, est-ce que ça a un rapport avec maître des clés dans Fort Boyard, par exemple? Et puis... Sarko revient. Alors, selon le site Atlantico, il vous a consulté avant son retour et depuis son retour. Oui, mais en fait, il a pris de mes nouvelles. Quand j'ai eu des soucis de santé, il était là, il a pris des nouvelles. Je ne sais pas comment il l'a su, mais il m'a appelé. Et donc, c'est aussi à des moments comme ça qu'on juge les gens. Ce n'est pas uniquement avec... Vous avez déclaré un jour, si Sarkozy revient, je reviendrai avec lui. Vous allez revenir, je sens. Là. Hein? Pas tout de suite, mais s'il me le demande, oui, mais pas tout de suite. Chantal, le retour de Sarkozy, ça vous motive, vous? Ben, c'est sympathique, ça va faire un peu de changement. Oui. Alors, Jeannette, pour vous aider à trouver un mari. Ah, super. On va faire une interview speed dating. Bonjour, je m'appelle Thierry, vous appelez comment? Jeannette. C'est joli, Jeannette, vous venez d'où? Châteauroux. Faites quoi dans la vie? Hôtesse de l'air. Ah oui? Je me dis que ça... Ouais, dans les speed dating, on n'est pas obligé de dire la vérité. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire? Une semaine. Vous cherchez quoi comme histoire, Jeannette? Le grand amour. Et pourquoi vous êtes séparée de votre copain précédent? On était devenus cousins-cousines. Ah oui, c'est terrible ça. Oui. Vous croyez en la fidélité? Oui. Vous avez connu beaucoup d'hommes? Je suis seule, donc je crois que je n'en ai pas suffisamment connu. Oui, apparemment. Salaud. Vous pourriez arrêter de travailler pour un homme? Non. Non, ça, ah oui, c'est mais bon, impossible. Après, hein, oui. Non, c'est mais pas possible. Bon. Là, c'est pas négociable. Il y a de la place pour un homme dans votre vie? Je l'espère. Pour plusieurs? Non. Vous faites le ménage? Non. Le repassage? Oui. Ah oui, j'ai dit oui, le repassage. Qu'est-ce qui est rédhibitoire chez un homme pour vous, Jeannette? L'égoïsme. Qu'est-ce qui vous fait craquer chez un homme? L'utopie, l'idéalisme. Ceux qui ont des idées, qui se battent pour leurs idées. Eh ben voilà. Là, je suis sûr que là, vous allez avoir plein d'appels. Hein. C'est vrai. On passe maintenant à notre
Téquitois de la semaine. Yael, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chanteuse. Oui. On vous a découvert en 2005 avec le single « Je veux te voir ». Et puis, il y a eu ça. L'album « Pop-up » en 2007. Et là, c'est le drame. Le drame, votre deuxième album, Safari Disco Club, en 2011, marche pas trop. Les ventes décollent pas. Et alors que les programmateurs français sont très frileux, les étrangers s'arrachent Yael. Oui. Ça vous saoule pas d'avoir du succès ailleurs que dans votre pays ? Bah non. Je voyage, je fais des concerts partout dans le monde. Et c'est incroyable. Vous enchaînez les concerts aux USA, en Australie, au Japon. Vous avez fait le festival de Coachella, la première partie de Katy Perry en Angleterre. Alors, ce qui est très marrant, c'est que tous ces gens-là ne comprennent rien à ce que vous chantez. Alors, il y en a certains quand même qui se renseignent un petit peu, qui cherchent des traductions, etc. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui en effet, aiment l'énergie que ça dégage et en effet, ne vont pas se focaliser sur les textes. Je prends l'exemple dans « Je veux te voir ». « Je veux te voir » dans un film pornographique en action avec ta bite. On n'avait pas prévu de passer la soirée avec des rigolos. On voulait, Zeynep, des pectoraux, des mecs montés comme des taureaux. Oh. Ah oui ! Ah oui ! Moi, j'ai pas eu de truc. Et alors, il y a aussi une chanson qui s'appelle « Mon meilleur ami ». Vous parlez de votre gueule de Miché. Oui. Et vous dites que la seule chose qui m'agace, c'est d'avoir à changer les piles. Et oui, c'est très agaçant de changer les piles tout le temps. Ouais. Oui. Alors, vous êtes lancé aux États-Unis, c'était assez courageux. Vous êtes dit... si la fille de taxi a eu un Oscar, je peux y aller, quoi. Alors, il faut dire que vous avez un look d'enfer. On regarde, hein, c'est quand même quelque chose à la replay, ça. Hein. Lady Gaga va être jalouse. Hein. Alors, Karl, en tant que personne qui s'habille bizarrement dans son travail, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça ne s'habille pas bizarrement. Non, c'est amusant. C'est quand même un effet graphique, c'est amusant. Il y a des créatifs, il y a une recherche. Sinon, c'est assommant. L'époque du micro et la dame en chimie devant le micro, c'est passé, ça. Oui. Aujourd'hui, c'est comme ça. Sinon, les gens vous oublient. Ah, ça, c'est la mieux, ça. Mais enfin, mais pourquoi vous passez cette photo? Mais graphiquement, c'est surprenant. Et là, vous sortez votre nouvel album. Ça s'appelle Complètement Fou. C'est fabriqué avec Dr. Luke, le gars qui fait Katy Perry, Britney Spears, Miley Cyrus, Avril Lavigne. Oui. C'est une pointure, ce gars-là. Oui, c'était un peu inattendu qu'il vienne toquer à notre porte en nous disant « J'aime beaucoup votre musique, j'ai envie de travailler avec vous. » Et voilà. Ah, vous êtes folle de lui. Vous avez dit « Luke a trouvé des sons qui sonnent comme un lâcher d'hirondelle. » C'est beau. Oui, c'est... Non, c'est vrai. Dis-moi, on est loin de la petite Julie de Saint-Brieuc, hein. Mais Julie Budet. Mais non, j'ai toujours la petite Julie de Saint-Brieuc aussi. Vous êtes toujours la petite Julie de Saint-Brieuc. J'habite toujours à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc, mais oui. J'ai aucune idée de ce que peut être Saint-Brieuc. Bon, on va regarder votre complètement fou. Complètement fou. Complètement fou. Complètement fou. Alors, Karl, vous avez écouté l'album. Oui, bien sûr. Mais ce que je trouve étonnant chez elle, c'est que ces paroles que vous citez et tout, ça serait horrible et vulgaire avec quelqu'un d'autre. Mais comme elle est très, très élégante, presque noble, comme ça, très comme une statue gothique, c'est tellement surprenant qu'on ne s'attend pas à sortir d'une fille aussi comme ça, des paroles comme ça. Donc, ça passe. Ça passe. Imagine un gros boudin chanter ça. Alors, moi, je suis un peu déçu quand même parce que la chanson « Nuit de baise », elle dure qu'une minute quarante. Ouais. C'est très court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut frustrer un petit peu les gens. Et voilà, on passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est le spécialiste des marchés financiers, Marc Fiorentino, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto ce soir.
nous poserons la question, les banques, c'est fini ? Quand Marc Fiorentino publie un bouquin, le titre se termine toujours par un point d'exclamation, comme s'il nous hurlait dessus. Sauvez votre argent ! Immobiliez-vous ! Sauvez votre retraite ! Cette année, son nouveau coup de gueule, c'est « Faites sauter la banque !» Quel exalté Fiorentino ! Dès qu'il parle d'argent, ça l'excite comme au temps où il était trader et qu'il hurlait ses ordres d'achat au téléphone. Cela dit, avec les banques, il y a de quoi s'exciter. Je rêve d'une banque qui ne me prendrait pas que pour un numéro de compte. En 2008, obsédés par leur quête du profit, les banquiers ont provoqué une crise économique mondiale. Les États ont alors dû voler à leur secours pour les sauver. Résultat, alors que la plupart d'entre nous ne voient toujours pas le bout du tunnel, les quatre principales banques françaises ont réalisé 15 milliards de bénéfices en 2013. Et le pire, c'est que les banques continuent de se faire du fric sur notre dos. Voilà des années que le magazine 60 millions de consommateurs dénonce les frais bancaires excessifs, les taxes sur les découverts ou les taux d'emprunt trop élevés, tout ça pour nous inciter à faire jouer la concurrence entre les banques. Mais rien n'y fait. Au moment de choisir sa banque, un tiers d'entre nous choisit l'agence la plus proche de son domicile, tandis qu'un autre tiers choisit la banque de ses parents ou de son conjoint. Au bout du compte, la majorité des Français n'a pas changé de banque depuis 20 ans. Robert ? Tu crois qu'on va passer toute notre vie avec la même banque ? Il a raison de nous engueuler, Fiorentino. Faites sauter la banque ! Mais bon sang, pourquoi tous les Français ne s'inscrivent pas dans une banque en ligne ? Et à ton avis, où je l'ai mis ? Là, où je l'ai mis mon argent ? Hein ? Comme ça, les employés de banque se feraient tous virer et Fiorentino serait content, parce que ça ferait baisser les frais bancaires de 20 ou 30 euros par mois. D'ici quelques années, pour acheter un logement, financer les études des enfants ou affronter les fins de mois difficiles, faudra négocier au téléphone avec des inconnus qui bossent dans un centre d'appel à l'autre bout de la planète. Quel progrès ! À ce moment-là, on aura peut-être la nostalgie de ces salauds de banquiers. C'est encore Monsieur Martin. On se souviendra qu'au moins, eux, c'était des êtres humains. Quand j'étais à découvert, vous m'appeliez toutes les 3 minutes. Et pas des ordinateurs avec qui il n'y a pas moyen de discuter. Et voilà, c'était l'édito de Blacko. Mise en image de Julien Graff. Marc Fiorentino, bonsoir. Ancien trader, devenu patron d'une société de conseil financier. Vous publiez donc chez Stock « Faites sauter la banque », le guide pour économiser votre argent. Alors sur la quatrième de couverture, vous dites « Alors que vous êtes 40% à avoir déjà trompé votre conjoint, même s'il vous est fidèle, vous êtes 92% à rester fidèle à votre banque, même si elle vous trompe. Il est temps de vous réveiller et d'économiser de l'argent, beaucoup d'argent. » Alors, on va commencer. Les Français, avec leurs banques, sont cocus, mais fidèles. Hein. Les banques ont plongé le monde dans la crise. Les États se sont endettés pour sauver les banques. Les peuples payent les dettes des États. Mais les Français continuent à être fidèles à leurs banques qui font des bénéfices records. Pourquoi ? Parce que plus on galère, plus on paye d'asio et plus les banques sont contentes. C'est une situation qui est complètement absurde, qui est très étonnante, qui est très propre à la France. Alors j'ai essayé de savoir pourquoi ça se passait comme ça et en fait je me suis aperçu qu'en fait les Français avaient gardé historiquement la peur du banquier, la peur du maître d'école, la peur du gendarme. C'est vrai parce que quand les gens vont chez le banquier alors qu'ils sont clients de la banque, ils ont l'impression d'aller chez quelqu'un qui leur est supérieur. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour essayer de casser cet rapport de domination entre le banquier et le Français. Voilà, alors est-ce que vous êtes par exemple, Chantal Latsou, fidèle à votre banque ? Oui, relativement fidèle. Depuis toujours. D'habitude. Vous êtes fidèle à votre banque, Karl, vous ? Pas vraiment, pas, je m'en occupe pas. Donc oui, oui. On s'en fout. Oui. On s'en fout. Mais vous savez, j'ai lu votre livre, parce que c'est quand même passionnant. Et puis, je vous ai vu à la télévision et tout. Cette pub, j'aime mon banquier, c'est à peu près la chose la plus niaise que j'ai jamais vue de ma vie. Des bêtes de mecs, on croit que ça va commencer avec un site de rencontre et finit par dire j'aime ma banque. Mais on rêve. Oui, bah vous savez, Emmanuel Valls aime les entreprises. Pour moi, la seule qui était honnête, c'était votre argent m'intéresse. Exactement, oui, c'est ce que j'ai dit dans le livre. Exactement. Alors, la deuxième question, c'est comment se venger ? Comment est-ce qu'on peut leur faire du mal ? D'abord,
Que payons-nous indûment ? On vous ponctionne de l'argent tous les mois sans vous en rendre compte. Oui. Et vous avez l'impression que ça se passe bien parce oui. qu'on le fait en silence et qu'on ne vous demande pas votre autorisation et que globalement, vous payez en gros entre 20... Alors Blacko disait 15 euros ou 10 euros par mois, c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être 20, 30 ou 40 ou 50 euros par mois. Mais pourquoi mois. On paye ces 40 ou 50 euros ? Pour rien. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'appelle, qui est très intéressant, qui s'appelle et qu'on a inventé dans les banques, qui s'appelle les frais de tenue de compte. Oui. Alors ça, ça veut dire tout simplement que ce sont des frais qu'on a le droit de prendre sans vous demander votre avis et qui ne correspondent à rien. Ouais. Donc, pour se venger, c'est assez simple. Hein. C'est simplement, aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir tout ce dont on a besoin à zéro. Parfois même dans la même banque, parce que toutes les grandes banques ont leur propre banque en ligne. Oui, ils ont racheté. La... Oui. Ils les ont rachetés. Et la même banque en ligne fait les mêmes produits que sa maison mère, la grande banque, mais à zéro. Oh, je ne vais pas me gêner, je vais y aller, moi. Est-ce qu'on peut renégocier son crédit, par exemple ? Alors, ce n'est pas est-ce qu'on peut renégocier. On doit renégocier son crédit immobilier si on est au-dessus de 4% de taux d'intérêt. Non, il faut le renégocier. Alors ça, on peut le faire en ligne. Il y a des comparateurs de crédit immobilier. Vous avez le meilleur taux et avec ça, vous allez voir votre banque et vous lui dites, voilà le taux qu'on m'accorde. Est-ce que vous vous alignez ou non ? Il faut des pièces justificatives, il faut faire un dossier, il faut refournir des pièces, des salaires, etc. C'est-à-dire que, après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on considère que passer une demi-heure de temps pour économiser 500 ou 2000 euros, voilà. Ça vaut pas le coup. Si, si. Maintenant, il faut voir ce qui se prépare. Qui va faire sauter la banque ? Alors évidemment, il y a vous avec votre bouquin. Non, alors... Mais il y a aussi Apple, Google, Amazon. C'est-à-dire que là... Parce qu'aujourd'hui, les grandes banques françaises ont racheté les banques en ligne. Mais le jour où ça va être Google, Apple ou Amazon, ils ne pourront pas les racheter parce que les autres sont beaucoup plus riches, quoi. Alors, il y avait cette innovation qui était la banque en ligne. Les grandes banques l'ont bloquée en achetant les banques en ligne pour les empêcher de faire une vraie concurrence. Seulement, on a oublié qu'il y avait des grands groupes qui, aujourd'hui, si vous prenez Apple, Apple a 800 millions de clients qui ont un compte dans le monde. C'est-à-dire que Apple, demain, sur votre appareil, vous pourrez payer avec votre mobile sans sortir d'argent. Une fois que vous avez commencé à faire votre paiement avec Apple, c'est la fin de la banque. Sur Facebook, vos enfants connaissent Facebook, ils ne connaissent pas LCL, ils ne connaissent pas la BNP. Donc demain, si vous voulez transférer de l'argent à votre enfant qui sera à l'autre bout du monde, vous lui enverrez de l'argent par Facebook. Donc la banque va exploser naturellement. Il ne s'agit pas de la faire sauter et de mettre une bombe. C'est là toute la chaîne bancaire qui est en train d'exploser avec Apple, Google, Facebook, Amazon et tous les autres. Et le piratage ? Alors, le piratage, il existe dès aujourd'hui dans votre compte en banque. C'est-à-dire que l'argent que vous avez dans votre agence, il n'est pas dans votre agence, il est dans le cloud avec les photos de Jennifer Lawrence. Ah, oh, ben je vais tout retirer, alors. Dis donc. Oui, mais Apple, c'est pas vertueux. Ils ne payent pas d'impôts en France. C'est loin d'être des entreprises exemplaires. Alors, moi, je ne suis pas dans la défense d'Apple. Hein. Je me permets simplement de décrire Google, ce qui va se passer. Les grands groupes sont plutôt des groupes qui ne payent pas un euro d'impôts en France. Il ne faut pas dire Google ne paye pas d'impôts. Il faut dire l'État français est incapable de faire payer des impôts à Google. Soyez gentils. Alors, pourquoi il n'y a pas dans la banque, comme il y a eu dans le téléphone, un Xavier Niel, c'est-à-dire quelqu'un qui dit d'un seul coup, moi je casse les prix ? Parce qu'il y a un code bancaire et il y a le monopole des banques, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie situation de blocage, c'est-à-dire qu'on essaye de préserver au maximum en empêchant les nouveaux entrants, on l'a vu avec la banque en ligne. Parce que la banque en ligne, c'était des Xavier Niel, les gens qui les ont lancés, les banques en ligne au début, c'était des vrais entrepreneurs. Et Charles Becbédé qui avait une banque en ligne, voilà, c'était des gens qui voulaient vraiment casser les codes et puis ils ont été rachetés et puis on les a un peu asphyxiés et puis on les a étouffés et du coup on va faire la place, et je dis pas que c'est une bonne nouvelle, hein, on va faire la place au groupe américain. Alors il y a un truc pour terminer. C'est que finalement, notre ami François Hollande, l'ennemi de la finance, n'a pas mieux réussi que le président des riches, Nicolas Sarkozy, à scinder les banques de dépôt des banques d'affaires. Ce qui veut dire qu'en fait, en France, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les autres, ils jouent au casino avec le pognon des Français. Ça n'a pas changé, ça. Pour dire les choses tout à fait dans leur réalité, il y a aujourd'hui plus de contraintes réglementaires pour les banques qu'il y en avait en 2008. Mais la contrepartie de ça, c'est comme elles gagnent moins d'argent en spéculant, elles sont obligées de gagner plus d'argent avec les particuliers, d'où l'augmentation des frais de tenue de compte. C'est-à-dire qu'elles sont bien obligées... Comme elles ne peuvent plus jouer au casino, elles sont obligées de nous prendre notre pognon. Exactement. C'est ça, en gros. Voilà. Hein ? D'accord. Marc, merci d'avoir été avec nous. Karl Lagerfeld, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 de la SLT. On se retrouve après la pub avec Le Zapping, Gaspard Proust et notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Maud Julien qui raconte comment elle a été élevée par son père pour devenir un être
supérieure. A tout de suite. Re-re-bonsoir les terriens. Re-re-bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Chantal Latsou, de Jeannette Bougrab, de Yael, de Jean-Mi. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir, Maud Julien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Maud Julien, séquestrée dans une grande maison bourgeoise, vous avez vécu à l'écart du monde pendant 15 ans. Interdiction de rire, de pleurer, de se plaindre sous la douleur, de tomber malade. Votre père n'avait qu'un but, vous endurcir pour faire de vous un être supérieur, pour que vous deveniez l'élu. Cette histoire, vous la racontez dans un livre très touchant, publié chez Stock, intitulé « Derrière la grille » et à 20h dans « Salut les terriens ». Dans un instant, Gaspard Proust, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping, et maintenant j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ?» C'est que des... Que des meufs. Vous tombez bien parce qu'en plus j'ai un sujet super passionnant qui va... Cette semaine, il s'est quand même passé un truc extraordinaire, c'est un séisme. Le Sénat a basculé. Eh oui. Ouais. Ouais. Il passe dans l'opposition. Alors en gros, il va servir à ralentir les réformes qui n'existent pas. Oui, parce que le Sénat ne peut pas annuler une loi votée par l'Assemblée, mais il peut la ralentir. En fait, un sénateur, c'est un mec de la CGT, mais assoupi. Ouais, c'est un dodane institutionnel. Oui, c'est ça. Alors, au Sénat, plus t'es lent, plus t'es en colère, faut le savoir, hein. Mais là, tu vois, là-bas, Jean-Marc Ayrault, il faisait partie des enragés. Ah oui. Ouais, ouais. Ouais. On l'appelait le pitbull de la Loire. Alors, c'est pas un truc facile de devenir président du Sénat. Il faut être français, bien entendu. Il faut avoir 24 ans minimum. Et un taux de cholestérol 3 fois supérieur à la moyenne nationale. C'est sûr. Et l'événement aussi, évidemment, ça a été l'entrée au Sénat des deux élus touristes, enfin des deux frontistes. Les deux, ils ont dit, à nous deux, on va secouer le cocotier. Ouais. On voit qu'ils sont un peu jeunes, hein, parce que moi, j'aurais pas l'idée de secouer un cocotier sur lequel est suspendu Gérard Larcher. Oui, c'est ça. Quand même, le Benjamin, là, il m'inquiète, David Rachline, quand même sénateur à 26 ans. Ça commence mal pour lui, hein. À ce rythme-là, à 28 ans, il est au Conseil constitutionnel, à 30 ans, il est immortel, à 32 ans, ministre des Anciens Combattants, et à 34 ans, transfert de son vivant, de ses cendres au Panthéon. Hein. Et je m'inquiète. C'est irresponsable de la part des cadres du FN. On ne jette pas un type qui a tendance à l'embourpoint dans un bac à Saint-Doux. Enfin, bon, ça, c'est mon avis. Il y a l'international aussi, des choses sont arrivées cette semaine en Syrie, France, une semaine de frappe. Alors le problème avec les frappes en Irak et en Syrie, c'est que c'est dur à évaluer. Quand tu regardes l'état des maisons, tu ne sais pas si c'est avant ou après. C'est vrai. Journée du patrimoine. Ah. Car les partis, ça leur est intéressé. Hidalgo veut démocratiser la Fashion Week et l'ouvrir au grand public. Non. C'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Oui. C'est vrai que ce qui manque au défilé haute couture, c'est quand même l'odeur des merguez et des déodorants premier prix. Hein. Hein. Moi, j'imagine bien le bon peuple qui va tripoter des robes, les doigts pleins de sucre en mangeant des churros. Ouais, c'est combien, ça? Histoire de famille. Alors, ça, c'est vraiment c'est sérieux. Le Doberman de Jean-Marie Le Pen a dévoré la chatte de Marine Le Pen. Non, c'est vrai, c'est pas du tout. C'est pas une vanne. Ce n'est pas une blague. Alors bon, il paraît que le chat diabolisait le chien. Et moi, ça m'a inspiré une fable que j'ai intitulée « Le chien et la chatte ». Chatte à Fifi, sur le sofa étendu, attendait confiante le mois de mai 2017. Doberman de papa, par la rancœur travaillée, déboula et lui tient à peu près ce langage. « Waf, skonk, miaou !» Morale de l'histoire, une chatte ne fait pas le printemps. Bravo. Littérature toujours, avec après Duflo, Trierweiler, Aquilino Morel va sortir un livre sur Hollande. Ce Hollande, il n'aurait pas dû faire président, mais muse. Oui. Hein? C'est un peu la Catherine Deneuve de la plume, tu vois. Tu l'allonges à poil sur un lit et t'écris un livre en le matant. Hein?
Alors après Valérie Trivaler qui nous l'a montré en slip et sans dents, Duflo qui l'a montré en costard et sans scrupules, il paraît que ça va, il va révéler pire que les deux autres. Alors quoi? Ouais. Je sais pas qu'en privé Hollande adorait imiter Bocassa en se mettant du cirage sur la tronche, tu sais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je cherche. Foot, j'ai regardé PSG-Barça et j'ai vibré. Tu vas voir un club détenu par le Qatar en battre un autre sponsorisé par le même pays, on dirait le conflit syrien. Bravo. Alors, bonne nouvelle quand même, il y en a une cette semaine. Chirac est vivant, il soutient Juppé pour 2017. Ouais. Il aurait déclaré Alain Juppé est l'homme de la situation pour supprimer le service militaire et introduire l'euro. Il saura faire entendre la voix de la France auprès de Gorbatchev et Saddam Hussein. Alors, la vie. C'était Gaston. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Maud Julien, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 23 novembre 1957 à Lille. Votre père, Louis Didier, est un chef d'entreprise fortuné et respecté qui a été initié à d'obscurs rites maçonniques. En 1936, il a adopté une fillette de 6 ans, issue d'une famille pauvre, en imposant aux parents qu'il ne cherche jamais à la revoir. 22 ans après avoir pris possession de cette femme, qui s'appelle Janine, Louis Didier décide de lui faire un enfant. Cet enfant, c'est vous, Maud. 3 ans plus tard, Louis Didier liquide ses affaires et achète une grande propriété entre Lille et Dunkerque. C'est là qu'il entame la réalisation de son projet, faire de vous un être supérieur, faire de vous l'élu. Dès que la famille s'installe dans la propriété, vous n'allez plus à la maternelle. C'est Janine, donc, votre mère, qui vous fait la classe. L'objectif est de vous préserver de la pollution des autres. À 5 ans, vous n'avez même plus droit aux récréations dans le jardin. Votre père vous dit « Concentre-toi sur ce que tu dois faire ». Le but de mon père, effectivement, était de faire de moi un surêtre. Il avait pour moi une mission capitale et pour ça, il fallait que j'aie un entraînement physique et psychique pour apprendre justement à ce que l'esprit soit plus fort que la matière. Ouais. Alors, votre mère, elle, Janine, est conditionnée depuis son plus jeune âge et elle n'offre aucune résistance. Elle dit... Monsieur Didier peut tout voir, un peu comme Dieu qui voit tout ce qu'on fait, quoi. C'est important de comprendre que tout ça, c'est le système de l'emprise. Bien sûr. Hein, et que le système de l'emprise, c'est quand même un ogre pour qui seul compte son monde mental. Ouais. Hein, les autres, ce sont soit des instruments, son service, soit des obstacles. Absolument. Alors, votre père, donc, vous prépare à sauver l'humanité qui, selon lui, est déchue. Alors d'abord, il veut vous apprendre à contrôler votre corps avec ce qu'il appelle les exercices d'impassibilité. Alors, il faut rester face à lui sans remuer quoi que ce soit. Oui. Il dit « Seuls les faibles ont des expressions ». Oui, et puis les expressions, c'est ce qui va permettre aux autres, hein. Donc dans ce monde, il y avait les élus et les autres, les démons, et c'est ce qui va permettre, si vos émotions transparaissent, de, à ce moment-là, être à leur merci, et là, vous mettez tout le monde en péril. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au début, vous devez rester un quart d'heure impassible. Ce qui est très compliqué, en fait, parce qu'on a tendance à bouger son nez, sa bouche, etc. Tout dans ces cas-là, tout vous gratte. Hein. Ben oui, bien, voilà. Mais bientôt, c'est plusieurs heures. Oui. Alors, autre faiblesse humaine que votre père ne supporte pas, c'est le plaisir. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas, par exemple, les jours de fête, vous travaillez plus que les autres jours. Oui, parce que, je dirais, les terriens, de la vision de mon père, sont hypnotisés par ces fêtes, anniversaires... pour être manipulé, donc il faut absolument résister. Donc les jours d'anniversaire, les jours de fête, il y a double peine pour justement avoir un effet de réaction, de colère contre ces jours-là, et pour ces jours-là, ne pas risquer de se faire happer par ce monde. Oui. Alors, le travail manuel fait aussi partie de l'enseignement. Hein. 2 fois 2 heures par jour, vous devez pousser une brouette,
pleine de sable, ou alors transporter avec vos mains des sacs de briques. Quand il y avait des chantiers, mon père voilà. faisait faire des chantiers. Des chantiers dans la propriété. Voilà. Vous étiez. C'était important, ça devait faire partie de ma formation. Alors, pour votre père, l'étude de la musique est la chose la plus importante. Hein. Il dit les seules personnes qui sont sorties vivantes des camps de concentration, c'est les musiciens. Voilà. Et hein. comme on ne peut pas savoir à l'avance de quel musicien on aura besoin, c'est pour ça que j'ai dû étudier à peu près une dizaine d'instruments de musique. Oui, parce qu'en fait, bon, il y a le piano. Alors, avec oui. la prof de piano, ça va. Alors, le prof d'accordéon, par exemple, il est terrible avec vous. Il vous insulte, il vous donne des gifles, il vous jette des bières au visage, il écrase ses cigarettes sur votre cuisse. Enfin, c'est déjà le... Ce qu'il faut toujours comprendre, c'est qu'un système d'emprise permet la réalisation de sous-systèmes qui oui. eux-mêmes vont générer des abus. Si je prends l'exemple d'une entreprise, il oui. vous suffit d'un seul supérieur abusif pour que les salariés se sentent autorisés à agir avec voilà. un côté le plus sombre. Donc, le système de l'emprise, c'est lui qui a généré tous les autres systèmes. Alors, par exemple, pour vous apprendre à nager, votre père fait construire un bassin en béton au fond du parc. Et à l'âge de 5 ans, vous êtes jeté par votre mère dans l'eau froide. Partant du principe que les esprits forts sont capables de se débrouiller, donc je dois arriver à me débrouiller. Bon, depuis, je suis restée quelqu'un qui déteste nager. Je comprends. Alors, votre père, ça, quand même, s'inspire beaucoup du Troisième Reich. Alors, il détestait l'idéologie du Troisième oui. Reich, mais en même temps, il était fasciné par cette capacité de la façon dont il formait les jeunesses oui. hitlériennes. Donc, il fallait que je sois encore plus formée que les Hitlerjugend. Voilà, oui. parce que si ce système revenait, il fallait que je sois capable de résister ah, à oui. la torture, oui. que je sois capable... C'était toujours dans son idéologie de me rendre plus forte. Donc, il faut apprendre à ne pas dormir. Le sommeil étant une perte de temps, c'est oui. pour les faibles. Hein. À ne pas prendre de plaisir en mangeant. Donc, on vous donne du pain rassis. Alors, parce que l'alimentation molle, c'est pour les faibles et les mous. D'accord. Et vous savez qu'il m'a fallu des années à ne pas culpabiliser en mangeant une viennoiserie. Ah oui, d'accord. Hein, 15 ans plus tard, c'était tout. Et alors, le pire, parce que là, c'est quand même très dangereux pour vous, c'est apprendre à tenir l'alcool. Oui. C'est-à-dire qu'à midi, vous buvez un verre de Ricard, un verre de vin blanc, un verre de rouge... Un cognac, et comme vous mangez très vite, parce qu'il ne faut pas perdre de temps, vous ingurgitez ça à toute allure, et ensuite vous devez être capable de tenir une arme, de marcher sur une ligne blanche qu'il a tracée dans le parc. C'est l'entraînement alcool et volonté, ça. Voilà, c'est-à-dire que là aussi, comme l'esprit doit être plus fort, c'est-à-dire que même sous alcool, il fallait être capable d'être plus forte que le produit ouais. qui est ingéré. Et là, vous avez 7 ans, quoi. Ça commence vers l'âge de 7 ans. Alors, votre mère n'avait pas, même de temps en temps, en cachette de votre père, un petit geste tendre, un petit geste d'affection, non ? Le monde mental que m'imposait mon père faisait qu'on ne pouvait rien faire en cachette. Ouais. Même en cachette, il était là. Et puis à la cave. Alors là, quand même, la cave, c'est assez violent. C'est-à-dire qu'il vous réveille en pleine nuit, vous met assise sur une chaise dans une cave. Toujours pour ne pas bouger, mais le but, en fait, pour cette mission capitale à laquelle il me vouait, je devais être capable d'apprendre à circuler entre les univers. Ouais. Apprendre à communiquer avec les morts. Il y a des rats tout autour de vous. Alors, moi, je suis plus phobique et tétanisée par l'idée d'un rat qui puisse grimper sur moi que pour à ce moment-là, les morts, je m'en ouais, bien c'est, sûr. C'est pas ma préoccupation. Mais à ce moment-là, quand même, vous appelez la mort. Vous préfériez oui. être morte oui. qu'être assise c'est sur cette pire. Chaise, dans cette cave, c'est au milieu pire. Des rats. C'est moins pire. Il y a le test de l'électricité aussi, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il vous demande de tenir un fil électrique, de prendre des décharges pendant 10 minutes. Quoi. Quand il y a la décharge, c'est ne pas réagir. C'est, ouais. ça rentre, c'est toujours la même logique. Le monde de mon père était très cohérent, dans oui. sa logique. Dans sa lui. Folie, il était cohérent. Voilà. Et alors, un truc quand même qui a... C'est le service de Louis Didier. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez à 6h du matin, vous faites plein de trucs. Mm-hmm. Et ensuite, à 8h, vous allez réveiller votre père, donc. Et là, vous devez tenir son pot de chambre pendant qu'il urine, quand même. Oui. Donc là, c'est quand même... J'avais toujours des nausées et tout avec ces odeurs. Et j'avais une sensation de dégoût. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que celle que je reprochais et qui se dégoûtait presque, c'était moi de ne pas être capable. Alors, quand même, le plus troublant, ce sont ces cicatrices sur les cuisses, sur la poitrine. Dont vous ne connaissez pas l'origine. Ce sont des rites initiatiques, vous pensez ? Ce
qui est certain pour les médecins, c'est qu'elles n'ont pas été faites par des professionnels de la santé, ce qui exclut la thèse de l'accident. Vous ne le saurez jamais. Et j'ai bien peur de ne jamais le savoir. Alors là, vous pensez à vous suicider, évidemment, parce que bon, c'est insupportable pour l'enfant que vous êtes. Et ce qui est bizarre, d'ailleurs, c'est qu'il vous laisse lire des tas de bouquins. Alors, je dois au comte de Monte Cristo d'avoir compris que je n'étais pas folle, parce que quand le comte de Monte Cristo explique ce qu'il ressent dans sa tête, quand il est enfermé, mais là, moi, la prison, elle commence à s'ouvrir. Vous êtes le comte de Monte Cristo. Et là, petit à petit, une idée s'immisce en vous. Vous demandez, et si finalement mon père n'était pas cet être supérieur doué de tous les pouvoirs, mais peut-être que ce qu'il raconte, c'est que du blablabla, finalement. Petit à petit, parce qu'un jour, j'ose un premier tout petit mensonge. Ouais. C'est ce que j'appelle un manuel de désobéissance muette. Ouais. C'est-à-dire, je ne m'oppose pas à lui, mais je trahis un tout petit peu son enseignement. Et un jour, alors que votre père vous annonce une punition, vous attrapez un couteau et vous vous le plantez comme ça dans la main et vous vous versez vous-même le whisky sur la plaie en retirant la lame et en le fixant. Mm-hmm. Et là, finalement, vous dites, est-ce que c'est pas ce qu'il attend de moi ? C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'en fait, s'il vous a forgé comme ça, c'est peut-être pour en arriver là. J'ai croisé son regard et j'ai vu un éclat de fierté. Et cet éclat de fierté m'a plongé un coup de poignard dans le cœur. Ouais, c'est ça. Effrayant, parce que j'ai dit, mais je suis en train de devenir ce qu'il veut. Alors là, vous profitez évidemment d'être obligé de sortir de la propriété pour des cours à l'extérieur. Et quand vous arrivez dehors, ça c'est extraordinaire, il vous faut tout apprendre. Par exemple, comment fait-on pour dépasser quelqu'un sur un trottoir alors que d'autres personnes viennent en face de vous ? C'est des choses très bêtes, je veux dire. Oui, mais vous avez été obligé de réapprendre tout. Là, vous rencontrez Richard, donc. Et votre père vous dit, de toute façon, dans 6 mois, je te payerai le divorce et tu reviendras vivre ici pour accomplir ta mission. Alors, vous divorcerez beaucoup plus tard de Richard, mais ensemble, vous aurez 2 filles. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, votre père meurt en 1979. Alors, évidemment, là, vous avez le foie abîmé par l'alcool, évidemment. Mmh. La dentition en piteux état, parce qu'il ne fallait pas aller chez le dentiste. Vous avez des tétanies, des évanouissements, des crises de panique. C'est-à-dire qu'après la mort de mon père, où je devrais plutôt être libérée, c'est là où il faut comprendre à quel point l'emprise est avant tout psychologique. Ouais. Alors, ça a mis 10 ans pour vous reconstruire. J'ai mis 10 ans, un peu plus de 10 ans, pour arriver petit à petit à... Et vous êtes devenue psychothérapeute. Aujourd'hui, je suis thérapeute, oui. Ouais, voilà. Vous lui avez pardonné à votre père ? Sur cette notion du pardon, personne ne m'a jamais demandé d'excuses. Donc, en revanche, ce qui est certain, c'est que je ne nourris pas de ressentiment. Ce n'est pas tant mon histoire qui est importante. C'est comment une petite fille de 8 ans a été capable de commencer à s'échapper. Et si une petite fille de 8 ans a été capable de faire ça, que les personnes qui entendent autour de nous, elles gardent espoir, parce que ce qu'une petite fille de 8 ans était capable de faire, d'autres peuvent y arriver. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Jean-Mi. Un dernier mot, Jean-Mi ? Rhododendron. Rhododendron, très bien, merci Jean-Mi. Merci à Chantal Latsou sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin avec Nelson. Jeannette Bougrabe, le documentaire Interdit d'école le 4 décembre sur Canal+. Yel, l'album s'appelle Complètement fou. Et vous êtes en tournée en Amérique, Karl Lagerfeld pour l'ensemble de son œuvre, le Karl Daly et Choupette, Marc Fiorentino pour Faites sauter la banque chez Stock, et Maud Julien pour Derrière la grille chez Stock également. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.